Voici l'atelier où on a travaillé la maniabilité. On a appris à se déplacer debout avec quelques slaloms, descentes, montées, quelques bosses, virages en dévers et ensuite quelques petites ondulations pour bien apprendre à bouger avec sa moto. Ensuite, nous avons travaillé la prise d'élan pour pouvoir aborder une montée et surtout bien maîtriser les gaz en pleine accélération et tester l'adhérence dans cette montée. Bien, voilà. Bien géré là. Voilà, bien. Accélère, accélère pour pas caler. Accélère, voilà. Faut bien prévoir qu'en haut tu peux caler. Donc soit tu reprends un petit filet de gaz ou alors à ce moment-là tu as les deux doigts sur l'embrayage pour le faire cirer un peu.
après la chamouche, tu as la pêche à mouche, c'est quand même vachement actif. Tu vas à la recherche du poisson, tu bouges, tu marches, tu trucs, etc. Ah oui, ça sera vachement tôt, Eric. Hein. T'as assis à l'arbre. Il n'a pas. Il n'y a pas la bière à côté. Mais j'étais bien, moi, non. Ils ont qu'assis, c'était bien. Non, apparemment, tu t'assois trop tôt. Ouais. Et tu freines assis. Donc, déjà, ouais. Il faut que tu freines debout. Il faut freiner debout. Et après, tu relâches. Tu rétrogrades et au moment où tu rentres, tu rétrogrades et tu passes. En fait, tu t'assois, tu freines et tout, tu te sors ta jambe, tu tournes. Je salue au passage. Voilà. T'aurais pu nous faire un. Oui. Ah putain, j'y ai pas pensé à ça. Mais ah oui, moi, c'était l'autre jambe. Bon, Nick. Bon, merci, les gars, merci. C'est vrai que tu commences à bouffer. Hein. La position elle était bien en freinage, Nicolas. Pardon ? Ouais. La position était bien en freinage. Bonne position, frein arrière maîtrisé. Il n'y a que le frein avant. Tu pouvais, t'avais un peu de marge au niveau de ton frein avant. Mais c'était beau passage. Ouais. Beau passage, belle accélération. Enfin, je sais pas ce que te diront tes camarades, mais. Ah non, c'était bien. Reviens en deuxième semaine. Tu n'es pas le maillon.